Professeur Simon, si je parle d'Airbnb, de Smile Direct Club, Trivago même, Marché Good Food, il y a des points en commun dans ces entreprises-là? Bien, les points en commun, c'est que ce sont toutes des entreprises qui disent utiliser la technologie pour causer une rupture dans leur industrie. Et donc, on s'inscrit dans ces modèles d'affaires-là clairement en rupture avec les modèles traditionnels. Donc, l'objectif ou ce que cherche le client, finalement, c'est d'éviter un paquet d'intermédiaires, d'aller directement au fournisseur. C'est-à-dire qu'en évitant les intermédiaires, le client a accès à des prix qui sont plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de gens dans la chaîne qui se servent, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que la valeur est concentrée entre les mains de moins de joueurs. Et donc, ces joueurs-là peuvent comprimer les coûts et offrir des prix plus intéressants aux consommateurs, un peu comme Amazon fait dans la distribution ou comme vous avez avec vos applications préférées de services, que ce soit pour vos services de transport et autres. Est-ce que le client, le consommateur, est conscient des risques? Parce qu'il y a certains risques. Lorsque l'appareil arrive, il ne fonctionne pas ou que les lunettes qu'on achète en ligne ne sont pas exactement celles qu'on aurait dû avoir. Le client est-il conscient des risques? Pas toujours, je vous dirais. En fait, dans le commerce de détail en général, le risque est assez bien contrôlé, d'abord par la valeur de l'item qu'on achète, mais aussi par le fait que les politiques de retour maintenant des différents distributeurs en ligne sont très claires et les clients et les entreprises sont très habitués maintenant de faire affaire dans un contexte où le client retourne un pourcentage appréciable de ce qu'il achète en ligne. Quand une entreprise est aussi présente sur les réseaux sociaux, c'est le cas de Smile Direct Club et c'est le cas de bien d'autres, est-ce qu'elle doit s'assurer d'avoir un service après-vente d'exception parce que ces mêmes réseaux sociaux pourront éventuellement jouer contre eux? Tout à fait. En fait, les réseaux sociaux, c'est une lame à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, ça peut être un catalyseur, un accélérateur de croissance fabuleux pour la réputation, mais aussi pour la croissance des ventes éventuellement. Mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que ça peut venir détruire une réputation très rapidement. Dans le cas de Smile Direct Club, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que comme c'est un appareil assez complexe que vous commandez, qui est très près de vous, ce que les gens de marketing appellent un achat à implication élevée, eh bien, vous avez ce type de relation-là qui est complexe et eux vont vouloir défendre cette réputation-là bec et ongle parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui vont regarder les commentaires en ligne et qui se diront d'après les commentaires, j'y vais ou je n'y vais pas, j'achète ou je n'achète pas. On l'a vu dans l'hôtellerie, il y a des gens qui se sont fait poursuivre parce qu'ils ont déclaré avoir vu les punaises de lit. On le voit dans d'autres domaines aussi où là, les fournisseurs de services poursuivent les clients potentiels ou les clients actuels, les clients réels, parce qu'on ne veut pas de faux plis dans notre réputation en ligne. Faudra-t-il éventuellement légiférer les orthodontistes, parce qu'il est question d'eux aujourd'hui, dans le fond, sont régis par une foule de lois et règlements. Cette entreprise-là l'est peut-être un peu moins. Est-ce qu'il faudra légiférer même le commerce en ligne quand il entre dans des secteurs très spécifiques comme celui-là? Sans nécessairement légiférer, parce que légiférer dans le domaine du commerce en ligne, c'est d'une complexité importante. On l'a vu simplement en ce qui touche la taxation. Donc, imaginez pour tous les autres aspects du commerce en ligne. Ceci étant dit, il faudra avoir un cadre de meilleures pratiques, certainement. Sinon, vous l'avez dit, un cadre législatif qui permettra de bien encadrer le type de pratique et comment c'est fait. Oui, un cadre législatif pourrait être utile, mais je dirais que de façon plus concrète et plus rapide, un cadre de meilleures pratiques serait sans doute dans l'ordre des choses. Je pense qu'on a eu cette conversation-là ou à peu près à l'arrivée d'Airbnb ou de Uber. Et là, aujourd'hui, on se parle d'appareils orthodontiques. On n'arrêtera pas ça. Ces changements-là sont là pour rester. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on s'y adaptera? D'abord, comment les autorités s'y adapteront pour continuer de nous protéger comme consommateurs? Deuxièmement, comment les entreprises et les concurrents pourront s'adapter à ce nouvel environnement-là? Et troisièmement, comment le consommateur va modifier ses habitudes, va aussi prendre le temps de s'informer pour être capable de consommer de façon responsable dans un environnement qui est de plus en plus complexe? Alors, on va noter le mot « prudence ». Dans cette réflexion-là. Professeur Simon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.